Bonjour, bonjour, c'est Olchaldir, on se retrouve pour le dernier commerce de Transforme mon désert, mon village du désert. Ouh là là, la fatigue se fait sentir. J'enchaîne en fait après les librairies et le forgeron au fond. La dernière maison de commerce, comme je l'avais dit, c'était le boucher. Vous vous doutez bien que j'ai tourné les trois d'affilée en fait, d'où ma petite langue qui a fourché à force de faire du tournage. Donc on va rester sur les mêmes logiques mais avec quand même une nuance de taille, c'est qu'on va garder un peu du toit. Vous savez, on casse toujours le toit d'habitude, tous les escaliers. Là on va casser évidemment le surplomb là qui sert strictement à rien. Hop. Et on va faire une forme totalement différente. Alors on va quand même en enlever un cran de plus. On laisse quand même un toit qui soit relativement plus plat que pentu, hein. On n'est pas en Bretagne, que diable. Il ne pleut pas tout le temps. Je suis breton, je précise, pour tous les bretons qui voudraient s'énerver. Sur le fait que je critique, et moi ça me fait sourire en fait. Parce que non, il ne pleut pas tout le temps en Bretagne, mais on fait croire ça aux gens. Histoire qu'ils viennent pas nous embêter toute l'année. Voilà, donc vous remplissez. Hop. Deux blocs lisses, on va mettre beaucoup de blocs lisses là sur ce pattern. Voilà, ça vous doit vous donner ceci, c'est-à-dire que vous avez enlevé deux rangées d'escaliers de chaque, de part et d'autre. Je vais peut-être virer la petite torche pour l'instant, et là on va faire les côtés. Donc on se met en décalé, on monte de 6 blocs. Et ouais, on change un peu, vous allez comprendre pourquoi. C'est esthétique comme d'habitude, hein. L'idée c'est toujours de mettre du relief, et là on va rejoindre. Pouf, pouf, pouf. Voilà. Par contre j'aurai besoin de ceci, s'il vous plaît. On termine de ce côté-là avec ça. Et on va rajouter, donc en prolongement, on finit le petit toit pentu. Voilà, ça doit nous donner ceci. Et évidemment, comme d'hab, le petit escalier qui va bien pour faire le soutien. Ouais, alors donc on est encore un cran trop bas, on va rajouter du grès. Tac 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 tac. Est-ce que j'ai des dalles par là? Voilà. On va se faire un petit trottoir. Pouf, pouf. Voilà. Ça habille. Voilà, donc on a ce côté-là qui donne ceci. Ouais, si je tourne à dos, vous verrez rien. Voilà, le côté, et on va faire la même chose à l'opposé. Comme vous voyez, moi, j'ai préféré faire de ce côté-là. D'abord, raté, j'ai cassé le truc. Pouf. Donc, bloc lisse, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors là, par contre, ça va pas. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et on rejoint. Poum, 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 poum. D'ailleurs, les escaliers, je me suis totalement trompé de l'autre côté, c'est pas grave, je vais retourner. Je vais vous montrer ici. Donc, bloc ciselé là. Au-dessus, on prolonge les escaliers existants. Et en dessous, en fait, ce que vous allez faire, c'est donc 1, 2, 3 dans ce sens là, 1, 2, 3 dans l'autre sens, pour obtenir un petit motif comme ça. On va le faire de l'autre côté, on verra mieux. Non, pas seulement un seul escalier comme je vous avais dit. Donc 1, 2, 3, 1, 2, je suis peut-être un peu trop dessous là, voilà, 3, et ça donne un truc comme ça. Voilà ce que ça donne pour les côtés. Alors comme je ne vais pas arriver à vous montrer de ce côté là, on va faire de l'autre côté tout simplement. Voilà, l'idée c'est de faire le frontal. Alors, c'est un petit peu particulier cette fois-ci, donc on se met bien au centre, on met un escalier comme ceci. Après, avec un bloc de grès, on va mettre un bloc de grès au-dessus, on va mettre deux blocs de part et d'autre. Hop, hop, ça va pas trop loin, par contre. Avec deux autres escaliers dans l'autre sens, on va faire le petit motif habituel, enfin l'esprit du motif habituel, et avec une dalle, on va surélever un peu tout ça pour obtenir cet effet-là. Une fois qu'on l'a obtenu d'un côté, on le fait de l'autre, ce qui va pas être très visible, mais bon, c'est pas grave, c'est l'idée. Hein. Hop, donc au centre, on met un escalier de part et d'autre, deux blocs,
au-dessus un bloc, au-dessus une dalle, et de part et d'autre de ce bloc, dans ce sens, un escalier et son vis-à-vis. Enfin bon, ça se verra pas de très loin, hein, clairement. Le boucher est lui aussi un petit peu enserré dans ses ruelles à Z-Roite, comme je le dis depuis le début. Mais voilà, l'idée est là et c'est plutôt sympa vu de dessus. En tout cas, au moins, personne profite de la vue, mais là, ça rend un peu sympa. Donc, pour finir ce toit, on va essayer de rejoindre, pour faire une sorte de croix en fait, vu du dessus, parce que là, ça fait peut-être un peu bizarre, ça fait un peu saloon plutôt que oriental. Donc, avec des dalles déjà, vous rejoignez les deux côtés. Boum. Et on va essayer avec des escaliers. Prolonger ici. Ici, vous mettez un bloc de grès du coup pour remplir. Par contre, ça a totalement cassé mon affaire. Non, c'est bon. Ouais, c'est bon. Je dis des bêtises. Donc là, pareil, on casse, on met un bloc au-dessus. On met un escalier dans le prolongement de celui-là. On fait la même chose de chaque côté. Hop. Hop. Pas évident les histoires d'escalier. Zap, je vais le creuser avant de poser. Oh, je vais pas y arriver avec celui-là. Voilà. Et ici. Et donc là, l'idée, c'est évidemment de casser tout ça. Façon à faire ça, hop, pas comme ça. Je suis bloqué par l'autre escalier, du coup. Pas évident du tout à placer mon affaire. C'est bon de ce côté-là. Ça va être bon de ce côté-là. Et du coup, ça va fermer de l'autre côté. Ce qui nous donne une croix bien sympa au-dessus, une sorte de petite coupole en croix, quoi. Pour terminer le toit, la petite touche qui va mettre un peu de couleur, parce que là c'est un peu monotone, ça va être de mettre des barrières ici, dans le petit creux là. Alors on voit pas bien de ce côté là, mais ici ce sera plus visible. Hop, je vais y arriver. Ta-da-dam. Voilà, et on va pouvoir s'attaquer à la façade qui va pas être simple du tout à positionner selon le tuto, parce que normalement il me fallait deux de large. Je les ai quelque part, mais du coup ça va être très très bizarre cette histoire. Donc là, il va falloir trouver une astuce, sans doute pas faire exactement comme proposé dans le tuto. Pourtant, c'était relativement sympa. Alors, l'idée en façade, c'est de mettre un peu plus de bois, et surtout de faire un auvent non pas en bois, mais en laine. Bah oui, c'est le boucher, il a des boutons, donc il a de la laine. Bah voilà, moi j'aurais bien voulu respecter ça. Mais sauf que c'est un auvent de 2, bah s'il y a pile de la place, ça va être très serré. On va essayer, on va voir ce que ça donne, hein, tout simplement. Alors, par contre, ça c'est pas Jojo du coup, ce que j'avais fait là, puisque ça avait, c'était pour mettre au niveau. Donc, on va remettre au niveau avec de la dalle pleine. Voilà, comme ça. Et de toute façon, il va falloir que là, je mette aussi au niveau sur 2 de haut. Ah, j'arrive pas à passer. C'est horrible quand même cet espacement. Donc je disais, je bouche moi. Ah ouais, alors par contre là non, on arrête de boucher parce qu'on arrive à la déco de la maison, donc ce serait pas logique. Donc là on va faire de la dalle. Comme ça. Voilà, ça casse un petit peu la déco de la maison, mais voilà, c'est comme ça. D'ailleurs, oui, ça va vraiment être pas terrible mon affaire. Non, bah je vais faire un auvent simple. Alors normalement il s'écarte sur 2, hein. On va faire un auvent qui s'écarte sur 1, tant pis. Et puis on va habiller différemment. Donc on va faire comme ça, comme ça. Non, j'ai mis 1 là-bas. Tac. Et on va aller chercher les escaliers de chêne. Hop. Ici. CH. Qu'on va mettre à la place de la végétation pour l'instant, et je vais avoir besoin du coup de laine blanche. On va quand même faire en laine, hein, pour changer un petit peu. De laine blanche, et puis on va prendre de la laine rouge, rouge et blanc, ça change un peu aussi du noir et blanc. Donc avec les escaliers, ben, on va faire notre arrivée tout simplement dans la boucherie. C'est pas facile, hein, de se positionner. Donc, eh ben, on va faire
On va faire. Donc j'ai dit je fais sur un seul. Donc là, vous montez. Alors on va monter plus haut du coup. De 3. Et vous allez, au lieu de faire des escaliers en bois comme d'habitude, on va faire avec de la laine. Donc vous mettez une alternance de laine blanche et de laine de la couleur que vous voulez d'ailleurs. On s'en fout, hein, faites comme vous voulez. C'est juste pour mettre un peu de couleur dans tout ça. Dans les déserts, on sait que les souks et compagnie sont très colorés, donc il n'y a pas de raison de s'en priver. Voilà, donc normalement on fait une deuxième rangée, mais là ça va vraiment pas être joli. Et après on surplombe encore au-dessus. Alors, ce que je peux peut-être essayer de faire, c'est voir si je peux mettre des tapis pour faire une espèce d'effet de couleur. Pareil, un tapis rouge, tapis blanc sur la partie centrale pour donner un petit effet. Donc là, c'est ce que je peux. Ah ouais, c'est parfait ça. Voilà, on peut mettre un tapis sur un bloc de laine. Ce qui fait que du coup, au-dessus, on a un petit effet de liseré. Normalement, c'est un bloc entier, mais ben voilà, moi je fais un effet différent. On s'adapte, hein. Les rues sont pas larges chez moi, donc je m'adapte. Voilà, donc on a notre petit auvent de laine chez le boucher, on saura au moins que c'est chez le boucher pour cette raison-là. On va lui faire une nouvelle entrée, une nouvelle fenêtre, donc on a déjà la torche. Alors lui, on va lui faire... on va casser cette fenêtre-là. Hop. On va faire une double porte pour aller chez le boucher avec une fenêtre sur le côté. Une double porte ici. Récupérer la porte de sapin, c'est plus sympa de rester dans le même ton. Voilà, on fait une double porte là, donc à 3 du côté, et à la place de la porte là, on va lui mettre une petite fenêtre. Ouf. Voilà, et évidemment, on va récupérer des torches. Parce que là, ça n'a pas l'air de marcher beaucoup, ceci dit, mais bon, on essaye d'éviter un maximum les zombies. Même si avec de la laine au-dessus, c'est pas très logique. Voilà pour notre façade, qui commence du coup à avoir un peu d'allure, même si elle est totalement coincée. Voilà, vous voyez, de loin, c'est sympa, on a notre petit effet rouge et blanc, qui signale qu'on arrive chez le boucher. J'aurais vraiment bien aimé faire le double auvent, mais là, c'est vraiment pas possible. Donc tant pis, on va rester comme ça. Alors, on va s'intéresser à derrière maintenant. Donc le boucher, il stocke des animaux, bien évidemment, et il les stocke où? Ici. Mais c'est pas beau. C'est pas très sympa pour les animaux, d'ailleurs. Il aurait pu leur faire un petit peu mieux. Bon, ce que je vais leur faire est peut-être pas beaucoup plus sympathique, hein. Le but c'est quand même de les manger. Mais on va essayer de fermer. Donc vous cassez tout simplement, hein. On se casse pas la tête. Là, on casse tout. On va refaire. On va faire légèrement plus petit d'ailleurs. Hop. Ce qui là pour le coup va peut-être m'arranger par rapport à l'encombrement de cette cité. Alors, on va se mettre à 1 avec des escaliers. On va ramasser ça déjà. On va laisser traîner. Voilà. Donc on se met à 1 et on va placer un escalier comme ceci à l'envers. On va en mettre 3 d'affilée, enfin d'affilée comme ça, hop, non, comme ça j'ai dit, et on termine avec un bloc au bout comme ça. On fait la même chose de l'autre côté, escalier 1, on commence là, 2, 3, et un bloc de grès ici, et on referme entre les deux blocs qu'on a mis, on va enlever du sable. Voilà, ça va être plus sympa. Les pauvres, ils sont enfermés. Ah bah tiens, les golems travaillent au fond là-bas. Il était temps! Ah mince. Zut, j'étais en train de casser un jardin. Il faut que je m'occupe des jardins aussi à un moment donné. Ils sont pas très jojo. Donc voilà, on referme avec des escaliers. Au-dessus de ces escaliers, vous refermez comme c'était tout à l'heure avec de la barrière. Ah bah j'ai viré la terre par contre, c'était peut-être pas la meilleure idée du siècle. Où est la terre? La terre, la terre, terre, voilà. On va quand même leur remettre une base de terre. J'ai pas besoin de ça. Hop. Donc vous enlevez le sable au fond. Ça va permettre de les mettre relativement bas, nos bestioles. Hop. Et vous mettez de la terre à la place.
Boum, 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 boum. Alors, ça c'est l'enclos des animaux, avec ici une petite dalle pour remonter. Casser cette porte-là pour mettre une porte un petit peu moins style et plus au bord. Voilà. Et avec des escaliers de grès, on va se faire un petit auvent pour les animaux. Vous mettez deux barrières de haut. Et vous mettez un pourtour d'escalier, pareil, à deux au-dessus. Évidemment dans l'autre sens. Voilà. Et vous faites le tour. Comme je suis très doué avec les escaliers, ça va pas vite. Hop. Voilà. Et alors je vais chercher les dalles. Alors, qui c'est qui tape sur quelle porte encore? Zombieland. On n'a plus besoin de taper. Prends les dalles à la place. Et avec des dalles, vous allez fermer le toit de cet auvent pour les animaux. Boum. Tac, 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 tac. Tac, tac, tac. Et voilà pour les extérieurs. Et puis évidemment, on va pas aller s'embêter, hein. On est en mode transforme, donc créatif. Donc on a des œufs magiques qui nous permettent tout simplement de faire apparaître, peut-être, hop, des moutons. Et voilà, comme ça, on a les moutons qui ont donné la devanture. Voilà, donc l'extérieur, ça va être bon. Voilà ce que ça nous donne. Devant, on voit pas bien, mais vous avez compris l'idée. Et on va aller terminer l'intérieur. Alors, à l'intérieur, on va pas changer grand-chose. En fait, on va laisser ce petit espace de détente, qui est déjà bien sympa. Par contre, l'idée, ça va être... Donc, l'entrée étant là. Là, c'est l'accès à l'arrière de nos moutons. Ah non, ne montez pas, les moutons. Vous ne rentrez pas. Après, pour vous faire ressortir, je vais trop galérer. D'ailleurs, si on va lui laisser les fenêtres en vert, lui, on va voir. On va réfléchir. Donc là, l'idée, c'est de faire un comptoir. Alors, on va lui faire... mince, c'est pas des dalles que je voulais, moi. Ah si, c'est double dalle, d'accord. Ok, donc on va faire un comptoir un peu plus fermé. Voilà, donc pour la déco intérieure, on se contente de rajouter des petites dalles pour fermer un petit comptoir ici. Normalement, l'idée, c'est d'avoir un villageois de type boucher au milieu. Si ça vous amuse. Donc là, on est chez le boucher, avec son petit espace détente, son petit espace comptoir, ses moutons qui sont cachés derrière. Je vais pas l'ouvrir la porte, parce qu'ils ont l'air de vouloir rentrer. Et voilà, donc notre ami boucher est lui aussi terminé.